très heureux de vous accueillir ce matin ici dans ce lieu. C'est une école qui forme des codeurs informatiques, donc une école de programmation informatique avec la particularité d'être ouverte à toutes et à tous, sans prérequis. Donc quel que soit son passé, on peut postuler. Et puis l'autre particularité, c'est d'avoir une pédagogie très innovante, une pédagogie qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire que les élèves collaborent entre eux avec un outil de formation qui est principalement en auto-formation. C'est-à-dire qu'ils ont des ressources pédagogiques directement dans l'intra de formation, où ils vont apprendre en échangeant entre eux, en allant capter des informations à l'extérieur, sur Internet, etc. Et en travaillant ensemble, on est plus intelligent à plusieurs qu'à un seul. On a une formation qui est déjà gratuite. On a une école qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans laquelle on n'a pas d'heure de présence obligatoire, c'est-à-dire que c'est très souple. Et puis, on n'a pas non plus de limite d'âge. Donc, à nouveau, quand on est en emploi, quand on est en reconversion professionnelle, on peut rejoindre 42. Plusieurs choses, beaucoup de choses en fait. L'autonomie. En fait, on nous donne un projet, c'est à nous de le réaliser, on doit s'organiser comme on veut. Donc ça, c'est génial. Il n'y a pas de cours en amphithéâtre où pendant une heure et demie, on est passif à écouter quelqu'un. Et le travail d'équipe. J'aime le fait qu'on soit libre de choisir comment apprendre. C'est vraiment, on va vers les autres, on discute entre nous, on regarde sur Internet, on s'informe nous-mêmes. On ne nous a pas imposé une manière d'apprendre. Et c'est ça qui m'intéressait un petit peu, c'est cette liberté. Ce mécénat, pour nous, il représente une action forte dans la mesure où il répond à trois ambitions, notamment. Le premier, c'est de permettre de favoriser l'accès à cette formation, à ce savoir, à des personnes qui n'en ont pas forcément naturellement les moyens, ni de par leur formation initiale, ni de par leurs finances. D'autre part, de favoriser l'équilibre et l'équité homme-femme dans ces métiers du numérique, ce qui est un domaine qui est encore à parfaire. Et enfin, renforcer la dynamique de la région Nouvelle-Aquitaine, dont Niort est une des places fortes.